Bonjour à tous. Donc, vous l'avez entendu, je m'appelle Grégory Planchard. Un jour, j'ai eu l'idée de créer un service SaaS. Quelle idée. Alors, je suis aujourd'hui le cofondateur et CTO de Gyroscopes. J'habite en Haute-Loire, à côté du Puy-en-Velay. C'est dans le sud de l'Auvergne. Alors, Gyroscopes, c'est un projet de R&D qui est démarré au sein de l'agence Kiboko, qui est elle aussi basée au Puy-en-Velay. On est une équipe de 7 personnes, on s'est spécialisé dans le e-commerce depuis 2015. Bon, depuis plusieurs années, on a eu besoin de faire en sorte que les projets e-commerce de nos clients ils puissent communiquer avec les autres outils du client. On a fait beaucoup d'essais, développé des petits outils, on a fini par les regrouper pour créer un outillage complet. C'est ces outils qui sont devenus Gyroscopes. Aujourd'hui, Gyroscopes, ça crée des connecteurs, on fait de l'intégration de données. J'ai présenté les fonctionnements de Gyroscopes au forum PHP 2021. Si vous êtes curieux, il y a les vidéos sur YouTube. Je vous invite à les regarder. Jusqu'à ce qu'on bascule sur le cloud, on a installé les connecteurs et les outils nécessaires sur le serveur dédié. Ça allait, ça fonctionnait bien. Mais basculer sur le cloud, c'était un gros changement pour nous. Des tâches qu'on faisait manuellement, on a dû les automatiser. Pour cette automatisation, on a besoin d'un outil de déploiement continu et d'un environnement d'exécution. Tout ça, ça doit être à l'intérieur de notre système. Je ne parle pas de l'intégration continue du projet en lui-même qu'on a besoin pour déployer, je parle vraiment au sein de l'application, il y a un CD. Une autre des particularités de Gyroscopes, c'est qu'on permet d'exécuter du code que les clients nous fournissent. Cette partie du code, elle est fournie par l'utilisateur, et on va l'assembler pour faire en sorte que ça fasse le connecteur du client. Si je schématise, chaque connecteur, c'est un microservice PHP. Gyroscopes, il a généré et assemblé tout le code dont il a besoin pour créer le microservice. Et ça, on va le placer dans une image Docker, sans qu'on ait besoin d'intervenir. Alors ce gros changement, ça avait deux objectifs. C'était d'avoir une seule infra, donc éviter d'avoir un serveur par client ou un serveur pour 2 ou 3 clients. Et aussi pouvoir jouer avec l'élasticité de l'infrastructure, parce que généralement les connecteurs ça tourne la nuit. Et depuis 2 ans, mon dernier passage à l'AFUP, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a achevé? Alors on a créé un service SaaS, il y a du low-code dedans, ça s'est pas tout à fait passé comme on avait prévu. Alors je vous rassure, ça fonctionne, mais on n'a pas tout à fait suivi le chemin qu'on voulait suivre. Et on n'était pas des spécialistes du cloud. On savait bien sûr installer les serveurs sur nos applications sur les serveurs dédiés. On savait utiliser des services SaaS. On partait quand même de loin. Mais on a beaucoup appris. Dans le fond, qu'est-ce que le cloud? Si je pose la question à 2 personnes dans la salle ici, j'aurai 2 réponses différentes. Le cloud, c'est ça. Vous arrivez à lire au fond? Alors, heureusement, le cloud, il s'est organisé derrière des fondations et des organismes de standardisation donc, qui produisent des cartes comme ça. Donc là, c'est la CNCF qui a fait une cartographie de tous les outils cloud qui existent. Ils les ont classés un peu par fonction. Mais quand on parle de cloud, on parle de choix technologiques. Les choix que vous allez faire en début de projet. Nous, les choix technologiques qu'on a dû faire, on a dû prendre en compte beaucoup de critères. Mais on s'est surtout attardé sur la taille de l'équipe, les moyens financiers et les compétences qu'on avait déjà dans l'équipe. Et donc, pour notre stock technologique, on a choisi d'utiliser Kubernetes, Harbor et Istio. C'est des outils parmi les plus matures, d'après la CNCF toujours. Quand on démarre, on ne sait pas trop qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche mal. Donc on s'est basé sur ce que la CNCF nous proposait. L'avantage, c'est qu'ils ont de la documentation qui est très fournie et on trouve facilement des services managés chez plein de fournisseurs cloud à des prix très compétitifs pour quelques euros et en 10 minutes, on arrive à avoir quelque chose qui marche bien. Pour les déploiements, au démarrage, on a beaucoup utilisé kubectl, donc c'est l'outil de base de Kubernetes. Au bout d'un moment, on a quand même basculé sur Helm. C'est un peu le composeur du cloud. C'est un outil qui est très répandu, c'est assez bien documenté, on l'a facilement adopté. Et pour exécuter les connecteurs, je disais plutôt qu'on a besoin d'un outil de CD et d'un environnement d'exécution. Pour l'environnement d'exécution, on a choisi Knative pour le serverless. Vous verrez plus tard, j'expliquerai, c'était pas le choix initial. Avec Knative, on utilise les Cloud Events pour que les microservices puissent communiquer entre eux, et aussi avec l'interface de Gyroscopes. Pour la CI, on utilise Tekton, ça nous permet d'automatiser la création des images Docker. Ça, c'est quelque chose qu'on avait sous-estimé au début, parce qu'on avait l'habitude de créer des images Docker sur notre poste, mais quand on est dans le cloud, qu'on doit tout automatiser, ben, c'est pas forcément aussi facile que ce qu'on faisait sur notre poste avant. Bon, je voudrais dresser un peu le paysage. Comme j'expliquais, on a fait nos choix selon plusieurs critères. Et les critères, ils sont dépendants du contexte du projet. Les choix qu'on a faits, ils seront peut-être différents des vôtres. Et pour moi, tout nouvel ajout au projet, donc quand on parle d'ajout, c'est une technologie, l'ajout doit être maîtrisé, donc l'équipe doit pouvoir rapidement savoir l'utiliser, et il doit aussi apporter de la valeur. Ça, c'est important, parce que quand vous allez ajouter un nouvel outil, il va avoir un coût en maintenance, et à l'utilisation et en formation. Donc il faut faire attention au coût de l'outil que vous allez utiliser. Mais quand... la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'on doit ajouter un nouvel outil? Moi, ma méthode, c'est un peu ça. S'il y a déjà un outil dans la stack qui permet de le faire, ben, je vais utiliser cet outil-là et puis je ne vais pas chercher forcément autre chose. Sinon, je vais commencer à faire de la veille technologique. Et donc, comment est-ce que j'organise ma veille technologique? Si je trouve un outil qui peut être candidat à la solution, ben, je vais l'évaluer, je vais voir si ça répond bien à ce que je veux faire. Mais surtout, je vais regarder le coût humain et financier de ce nouvel outil. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est, est-ce que mon équipe est capable de monter rapidement en compétence sur cet outil? Est-ce que l'énergie qu'il faut que je déploie pour le mettre en place, ça en vaut la peine? Et est-ce que lorsqu'il faudra mettre en production, je saurai résoudre les problèmes qui vont arriver? Parce qu'il y aura des problèmes. Si je peux répondre à oui à ces trois questions, alors je peux étudier l'outil plus en profondeur et essayer de le mettre en place. Il faut garder en tête que les choix que vous allez faire en début de projet, ils vont être structurants. Ça sera très difficile pour vous de changer d'avis quand le projet aura bien démarré. Par exemple, changer d'ORM, changer de moteur de recherche, changer de framework, soyons fous. Après plusieurs mois de travail, ça ne s'improvise pas et ça ne sera pas neutre pour vous. C'est pour ça qu'il faut souvent préférer la solution technique qui vous demandera le moins de temps à maintenir. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait préférer cette technologie la plus simple? Je vais vous expliquer quelques petites anecdotes, vous allez comprendre. Tout ne fonctionne pas comme vous l'aviez prévu. Les déploiements en particulier, ça peut rater. Et ça peut rater parce que votre image Docker, ben, elle s'est mise à jour. Et puis pas de chance, vous n'avez pas la bonne version du framework. Vous êtes en 5.4.27, mais c'est la 5.4.28 qui marche avec cette nouvelle version de l'extension. Vous venez de perdre 3 heures en prod. Parfois, c'est juste que vous avez une migration doctrine qui est mal écrite, et pas de bol, la CI, elle ne vous a pas averti que la migration, elle ne marchait pas. Dommage. Vous aurez des problèmes de déploiement tôt ou tard. Faites en sorte que les déploiements soient faciles à faire, réduisez les contraintes, réduisez les complexités pour tous vos déploiements. Par exemple, si vous utilisez un outil de déploiement, enfin, si vous savez utiliser un outil de déploiement, utilisez-le, n'hésitez pas. Dans notre processus de déploiement, au début, on utilisait Docker Build, on a besoin de créer des images Docker. Donc on faisait des Docker Build manuellement. C'était long, il y avait plein d'options à passer, et une fois sur deux, on oubliait une option. On a fini par utiliser Ansible pour plus avoir à se poser ce genre de questions. Et l'avantage, c'est que maintenant, n'importe qui dans l'équipe est capable de lancer un déploiement. Aussi, n'hésitez pas à créer vos propres outils. Les outils faits maison, ils sont là pour vous simplifier la vie. Par exemple, ici, lancer un déploiement. Je ne vous parle pas de réinventer Deployer, Capistrano, Ansible, je ne sais pas quel outil d'autres qu'on peut citer. On n'est pas sur ces considérations-là. On est sur une question d'écrire un script shell, un makefile, 3 lignes de PHP. Ça peut suffire. Si ça vous fait gagner 3 heures à chaque déploiement, bah faites-le. Nous, on a choisi de faire des scripts shell. Ça suffit. Il faut vous rappeler qu'il faut prendre en compte le coût humain. J'en parlais tout à l'heure. Parce qu'il va falloir que votre équipe maintienne ces petits scripts shell. Mais grâce à ça, vos déploiements ils seront plus simples. Vous n'oublierez rien. Et peut-être que vous avez fait des choix technologiques avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Il arrivera un moment qui sera un peu difficile, c'est que quelque chose va planter et vous ne saurez pas le résoudre. Par exemple, vous avez un service qui ne veut pas démarrer. Là, par exemple, j'ai un conteneur qui n'a pas envie de se démarrer. Je ne suis pas le premier à le dire, évitez les technologies à la mode. Surtout si elles sont éloignées de ce que vous savez faire, ce que vous avez l'habitude de faire. C'est certainement super intéressant, mais dans le cas présent, c'est peut-être un peu trop tôt pour l'utiliser. Ou alors vous faites avec beaucoup de prudence. Et la dernière technologie à la mode, ça peut aussi vous amener à ça. Je parlais de Knative. C'était pas notre premier choix, on a choisi autre chose au début. Et 3 semaines après avoir commencé à évaluer la solution, on a eu une annonce sur le Slack de Kubeless qui disait ben, « Salut, on est VMware, on arrête tout ». Alors heureusement, c'était au début de projet, c'est pas arrivé 1 an ou 2 ans plus tard, mais malgré tout, ben, il faut tout recommencer et il faut choisir une autre solution. Mais je vais être honnête aujourd'hui. Si je suis là, c'est aussi parce que j'ai fait des choix qui ne correspondent pas aux conseils que je suis en train de vous donner là maintenant. Par exemple, j'ai fait le choix d'utiliser du CQRS et de l'event sourcing sur une partie du projet. On en avait besoin parce qu'il fallait pouvoir stocker un historique de ce qui se passait, de ce que les utilisateurs faisaient, et il fallait aussi, ça servait aussi à structurer un peu le projet. Et ce cas, c'est que j'ai oublié qu'il fallait former l'équipe. Je me suis retrouvé tout seul à savoir le faire, et il a fallu avancer avec l'équipe et faire en sorte qu'ils comprennent comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on va avancer. Ce que j'ai sous-estimé, c'était le coût humain. Il a fallu expliquer les raisons, former, accompagner, c'était un peu long. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'en rend compte pendant la code review, quand la personne a déjà travaillé plusieurs heures, plusieurs jours sur le sujet, et que normalement vous attendiez que ce soit fini, en fait, c'est même pas commencé. Ça arrive aussi qu'il y ait des développeurs qui n'osent pas vous dire qu'ils n'ont pas compris. Donc ils vont essayer d'avancer, mais vous vous en rendrez compte vraiment à la fin. Faites en sorte d'accompagner votre équipe. C'est un temps qu'il faut accepter de perdre pour pouvoir en gagner un peu plus tard. Et du temps, il va vous en falloir beaucoup. Dans le développement d'un projet, dès que vous passez en production, ben, vous avez un nouveau projet qui arrive, c'est l'exploitation de votre production. Et en production, vous n'avez pas toujours tous les outils qu'il vous faudrait pour comprendre et résoudre le problème. Par exemple, quand le login ne fonctionne plus sur l'application, c'est assez gênant. Quand vous n'avez aucun message dans les logs, c'est encore plus gênant. Donc, il va falloir traiter ça en urgence en prod. Surtout que ça apparaît qu'en prod. Ça n'apparaît nulle part ailleurs. Et après plusieurs heures d'incidents, voilà la cause. Il y a une exception silencieuse. Si je peux vous donner un conseil, et si vous avez de bonnes relations avec vos collègues, faites pas ça. Écrivez au moins un log en debug, histoire qu'on puisse retrouver le problème. Vous gagnerez quelques heures. Alors le code, il n'était pas vraiment en cause. C'était en fait nous qui avons fait une mauvaise config. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour détecter ça? Ben, on s'est créé une ligne de commande. Tout à l'heure, je parlais des outils qu'on se fait. Les outils faits maison, ben, ça en fait partie. Ça nous permet de vérifier que les clés, elles sont bien configurées, qu'elles sont bien dans le bon dossier et que ça peut fonctionner. Ben, maintenant, ça fait partie de nos outils qu'on peut utiliser pour le diagnostic, pour savoir si ça fonctionne. Et donc, quand ça fonctionne, ça devient en vert. c'est bien. Et donc on avait deux problèmes. Le premier problème, c'est que les clés de chiffrement n'étaient pas du bon format, et le deuxième problème, c'est qu'elles n'étaient pas au bon endroit. Et donc le bundle, il a considéré que le chemin qu'on avait donné, c'était la clé de chiffrement, et ça ne marchait pas. Mais malgré tout, ça aurait été quand même plus simple avec un log. Si je peux vous donner un autre conseil, qui vous fera gagner du temps, traitez les exceptions comme un moyen de remettre votre application dans un état stable. Un état où l'application elle est capable de fonctionner normalement. Si vous n'y arrivez pas, mettez quand même un log. C'est les petits cailloux qui vont vous permettre de retrouver votre chemin quand vous êtes dans le noir. Et donc si vous combinez les exceptions avec un système de log, vous pourrez remonter beaucoup d'informations sur les erreurs que vous aurez. Ce sera beaucoup plus facile d'identifier les problèmes à l'avenir. Mais par contre, ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Alors là, je vous ai mis une capture de Kibana, il en existe d'autres, du Prometheus, Grafana, Datadog, New Relic, ils ont tous leur spécialité, ils ont tous un intérêt. Nous, on a choisi celui-ci parce que ça correspondait plus à ce qu'on savait faire. Ça nous aide pas mal à retrouver les problèmes. Mais, comme je disais, ajoutez vos outils progressivement. Ça sert à rien de partir dans une usine à gaz, tout installé pour essayer d'avoir un système de log qui vous remonte tout. Peut-être que vous en aurez même pas besoin. Peut-être que un grep dans les logs, ça suffira. Vous n'avez peut-être pas suffisamment de trafic pour justifier l'installation d'un gros système de gestion de log. Ça dépend de votre projet. Ce qu'il y a, c'est qu'en développement, on parle souvent des principes KISS et YAGNI. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le principe de toujours choisir la solution la plus simple, parce que vous n'en aurez peut-être pas besoin. Dans l'infrastructure, c'est un peu pareil, c'est le même principe. Et si vous avez passé beaucoup de temps à régler un problème, n'oubliez pas d'écrire la procédure manuelle que vous avez mis en place pour résoudre le problème. C'est pour la prochaine fois, au cas où, si ça revient. D'ailleurs, quand on parle de documentation, qui écrit de la documentation dans la salle? Qui aime écrire de la documentation? Vous devriez. La documentation, c'est bien, mais il faut qu'elle soit aussi à jour. L'APR, c'est ce qui arrive quand un collègue lit la documentation, il l'applique à la lettre, elle n'est pas à jour. Il manquait une option de configuration. Donc, la documentation, c'est un travail collectif. Ce qu'il y a, c'est que si vous ne le faites pas, ça va pénaliser une personne dans l'équipe, parfois plusieurs. Et la documentation, c'est aussi à propos de vos choix techniques. Que vous le fassiez seul ou en groupe, les choix techniques, ils doivent être motivés. Ils doivent être expliqués et ils doivent être documentés. Pour la méthode, il y a les ADR, c'est les architectures, décision record. Quand vous prenez une décision d'architecture, vous l'écrivez. C'est souvent utilisé sur les projets d'envergure. C'est un moyen de fixer un choix avec les raisons qui expliquent le choix. Si plus tard le choix est remis en question, vous aurez au moins la raison qui a amené à ce choix. Et puis vous pouvez peut-être le remettre en question à ce moment-là. À quoi ça ressemble une ADR? Une ADR, ça peut être juste un document Markdown que vous avez dans le projet. La forme n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est l'énoncé de la problématique et l'explication de la solution choisie. Éventuellement, une méthode qui est décrite dedans, c'est pas obligatoire. Là, je vous ai mis un exemple d'une ADR. Elle explique comment est-ce qu'on doit traiter la donnée sensible dans l'application. Dans l'application, comme on fait des connecteurs, il y a un moment, nos clients ils vont nous donner des mots de passe, des clés de chiffrement, des choses qui sont très sensibles, qu'on n'a pas le droit de perdre, et surtout qu'on n'a pas le droit de mettre dans un log, qu'on n'a pas le droit de sérialiser dans le cache. Et il faut empêcher PHP de le faire. Donc on a écrit une ADR pour ça. Parce qu'évidemment, si vous avez une clé de chiffrement qui se retrouve dans un message de log, ça peut avoir des conséquences pour le client. Mais le plus difficile, c'est pas forcément d'écrire cette ADR. Il faut que l'ADR, elle soit lue et bien comprise par tout le monde. Pour que ça marche, la méthode que je préfère, c'est de faire du pair programming avec la personne, jusqu'à ce que la personne comprenne. Au moins, on s'assure que tout le monde a bien embarqué, que tout le monde peut avancer, et que ça va fonctionner. Et maintenant que votre équipe elle a bien embarqué sur le projet, que les demandes clients elles arrivent, on a tendance à vouloir ajouter plein de choses. On écoute les clients ils ont souvent des idées auxquelles on n'a pas pensé, puis on se dit super, je vais l'installer, je vais le faire. C'est un piège. Vous risquez de vous retrouver avec des fonctionnalités qui sont importantes, mais elles sont inachevées. Et au contraire, des fonctionnalités qui servent à un client, peut-être même pas, et qui vont manger vos ressources pour pas grand-chose. Par exemple, on a voulu, à une époque, créer un moyen générique de compiler nos connecteurs. C'était ambitieux, mais c'était très inutile. On était compatible avec un seul cloud. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé cette couche d'abstraction et puis on a compilé pour le cloud qu'on était capable de supporter. On verra plus tard si on le refait, mais pour le moment, il n'y a pas besoin. Donc, si je me permets une simplification, concentrez-vous d'abord sur le MVP, le produit minimum viable. Parlez de votre projet, parlez-en beaucoup, confrontez-vous aux avis des autres personnes. Les critiques que vous allez recevoir, elles sont essentielles pour vous. Vous apprendrez beaucoup de ce que votre projet a besoin, votre marché a besoin, et donc vos futurs clients. Écoutez beaucoup ceux qui utilisent un outil concurrent. Ils vont d'abord vous dire que ce que vous faites c'est inutile, parce qu'ils ont une autre solution qui existe. Parfois ça arrive qu'ils dénigrent votre travail. Puis à un moment ils vont se confier à vous, puis ils vont dire ce qui ne marche pas dans les outils qu'ils ont. Ça c'est très intéressant. Absorbez tout ce qu'ils vous disent, révisez votre MVP, et puis faites-le évoluer avec justement les problèmes qu'il y a sur les autres solutions. Quand vous aurez suffisamment de personnes qui sont sérieusement intéressées par votre produit, concentrez vos efforts sur le MSP, donc c'est le produit minimum vendable. Pour faire un point un peu sur ce qu'est le MVP, le MSP, on peut schématiser de cette manière. Vos premiers essais ils sont votre preuve de concept. Ces petits outils que vous avez créés sur votre poste, ça résout des problèmes, ça vous fait avancer sur vos tâches de tous les jours, mais vous ne pouvez pas vraiment le passer à un collègue ou à quelqu'un où vous êtes le seul à savoir vraiment le faire fonctionner. Avec un peu de temps et d'énergie, vous arrivez à un produit minimum viable. C'est le moment où vous pouvez commencer à le passer à quelqu'un d'autre. Vous avez corrigé les défauts, l'usage devient de plus en plus facile, mais vous ne pouvez pas tout à fait encore le vendre tout seul à un client. Souvent, il faut l'ajouter à un service. Vendez-le à un client avec un service en plus. Avancez comme ça. Vous ferez vos premières ventes. Et quand vous arrivez à votre produit minimum vendable, c'est un peu le moment où les services que vous aviez ajoutés avant, ils peuvent commencer soit à disparaître, soit à s'intégrer au produit. Et c'est là où vos clients commencent à devenir autonomes. Ce qui est important, c'est qu'il faut atteindre le plus vite possible le MSP. Si on récapitule, l'effort pour produire votre preuve de concept, il est assez faible. Mais là, vous ambitionnez d'aller un peu plus loin pour créer un produit. On ne voit pas très bien. Et vous vous dites que le MSP il fait une certaine taille. Ça va être relativement facile, mais pas de bol. En fait, il y avait beaucoup de choses que vous avez oubliées. Vous passez beaucoup plus de temps que prévu sur le MVP. Bon, vous avez réussi quand même. Vous essayez d'avancer. Et vous essayez de faire le MSP. Vous prévoyez vos tâches, vous créez vos tickets, tout ce qu'il y a à faire. Et puis vous vous dites, c'est bon, dans 6 mois, on est prêt. Et dans 6 mois, vous n'êtes pas prêt du tout. Le MSP est beaucoup plus gros que ce que vous croyez. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Le projet sera toujours plus gros que ce que vous croyez. Et ce qu'il y a, c'est que votre temps, c'est votre ressource la plus rare. Si vous arrivez à économiser votre temps pour le consacrer à des fonctionnalités qui sont les plus essentielles, vous arriverez plus rapidement à vendre votre produit. L'argent, c'est la ressource qui découle de ça. On est tous d'accord qu'on n'est pas là pour travailler pour la gloire. Peut-être qu'il y en a dans la salle. Il y en a dans la salle? Non. L'argent que va gagner votre entreprise, elle sert à payer votre salaire, et ça va aussi servir à payer le salaire de vos collègues. Et ça, l'argent, on n'en parle pas beaucoup en conférence. Et quand on crée un produit, comme on a fait avec Gyroscopes, l'argent, c'est un des leviers essentiels qui va différencier la poursuite du projet de la fin du projet. la fin du projet faute de moyens. Et pour ça, suivez vos dépenses. Calculez bien ce que vous êtes prêt à perdre quand vous vous lancez. Surtout, vendez votre produit, même incomplet. Répétez-le aux clients, qu'ils le sachent, mais vendez-le, le produit. Si vous avez écouté les critiques, adaptez votre produit aux besoins, il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de votre outil. Et surtout, ce premier client, il sera heureux d'avoir un niveau de service très élevé parce que vous n'avez que ce client à traiter. Vous aurez beaucoup de temps à lui consacrer. Mais pour vous, ce qui est important, c'est que vous aurez les premières entrées d'argent. Vous aurez ces premières entrées d'argent qui vont permettre de couvrir vos charges et peut-être faire vos premiers bénéfices. Parce que l'entrepreneuriat, c'est suffisamment difficile. Alors, restez pas seul dans votre coin, ça sert à rien. Vous n'y arriverez pas. Moi, ce qui m'a permis de revoir beaucoup de choses dans ma vision, ça a été de participer à un programme d'incubation. Ça apporte à chacun des choses différentes. Pour moi, ça a ouvert des portes sur les questions de financement externe. Ça m'a aussi permis de confronter mes idées au marché. Plein de choses que je pensais il y a 3 ans. Ben, aujourd'hui, je pense des choses totalement différentes à ces sujets-là. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, simplifiez-vous la vie avec vos petits outils. Évitez les technologies à la mode. Démarrez petit, suivez vos dépenses et accompagnez la progression de votre équipe. Merci à vous. J'ai oublié, on recrute un lead technique. Merci Grégory, on a du temps pour quelques questions. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question. En fait, à la base, l'outil que vous avez créé, il était censé vous faciliter la vie. C'était le but, si j'ai bien compris. Du coup, pourquoi avoir passé autant de temps sur l'infrastructure? Pourquoi pas avoir cherché des choses plus simples? Je pense à Clever Cloud, par exemple, qui est sponsor aujourd'hui, ou ce genre de choses. Parce que Kubernetes, c'est quand même un challenge en soi. Oui, c'est vrai. En fait, on s'est retrouvé face à un problème où on installait sur des serveurs dédiés. C'est ce que je disais un peu au début. C'est qu'au début, on a un serveur dédié pour un client, puis on met un deuxième serveur dédié, puis un troisième, et puis il arrive un moment où il faut les mettre à jour. Et on ne sait plus tellement comment on les a installés. Donc on se retrouve dans une situation où on a plein de serveurs dédiés, mais ils sont tous dans une version un peu bâtarde, jamais vraiment de version bien définie. Et donc ça a été un peu un problème pour nous sur ces sujets-là. Et après, la question c'était aussi de se dire, bah, automatiser un maximum de choses pour pouvoir étendre l'usage de l'outil et éviter d'avoir à traiter des demandes de clients pour une installation ou pour différentes choses. Une autre question. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question sur les conseils que vous avez donnés, sur l'ensemble des outils que vous avez mis en place ou des solutions que vous avez pu tester. Est-ce que vous pensez que les tests sont inutiles? Parce que vous n'avez pas parlé de couverture de tests dans votre présentation. Est-ce que vous pensez que ce problème que vous avez eu sur la partie login aurait pu être repéré par des tests, notamment TDD ou des solutions du genre? On a des tests dans la CI. Par contre, là, c'était vraiment un problème de configuration sur une des infrastructures. Donc, on a, on l'aurait pas détecté avec des tests, à moins de faire des tests jusque dans l'infrastructure en elle-même. C'est pas avec des tests PHP unit ou même BIAT qu'on aurait pu le détecter. Bonjour. Ici, à votre droite. Bonjour. Vous avez parlé de la montée en compétences des équipes sur du CQRS, event sourcing, etc. Vous avez donné un exemple de comment ça s'est matérialisé, du pair programming. C'est la seule chose que vous avez mise en place ou vous avez eu d'autres expériences? Pardon. Le pair programming, c'est ce qui marche le mieux chez nous. Après, on a essayé de faire des présentations, des mini-conférences, des présentations au tableau blanc. Peut-être que l'assemblage de tout ça a fait que ça a fonctionné, mais le pair programming, ça a l'avantage d'être rapide à fonctionner. Salut, merci beaucoup pour ce talk, c'était très intéressant. Moi j'ai une petite question, peut-être plutôt autour du business, parce que du coup on parle de SaaS. Tu nous as parlé pas mal des défis techniques que tu as dû relever. Est-ce que tu as envie de nous dire, ou pas, hein, peut-être c'est un peu hors sujet, voilà, ça fait combien de temps que tu l'as créé, comment ça se passe, ton business en tant que tel, voilà, de manière un peu plus large. Aujourd'hui, on a avancé avec des clients qu'on avait déjà dans l'agence. Donc on est en bêta fermée et on s'apprête à l'ouvrir au public. Donc on a pu tester et voir ce qui ne marchait pas avec des clients existants. On a pu avancer justement comme ça. Et c'est ce qui a permis de faire cette conf. Bonjour. Comment vous gérez la documentation? Comment vous faites en sorte qu'elle soit bien rédigée et qu'il n'y ait pas de manquement à la mise à jour? Comme le code. On a un dépôt guide qui contient notre documentation, on la met à jour régulièrement, on fait en sorte d'essayer de suivre ce qui est ajouté dans le code pour que la documentation suive. Il y a des ratés, comme on a vu, mais elle est assez bien à jour par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres projets ou ce qu'on a pu connaître ailleurs. Bonjour, merci pour le talk. Moi j'ai une petite question sur la mise en place des ADR dans ton équipe. A priori, tu as eu quelques soucis, parce que du coup tu proposes de mettre ADR, mais par exemple sur ces CQRS, il n'y a pas une adoption, pas directe on va dire, de cette architecture. Donc j'aimerais savoir si c'est quelque chose que tu imposes ou c'est quelque chose que tu fais en collaboration avec toute ton équipe. Il faut imposer de lire les ADR. Tu peux pas passer à côté parce que un développeur qui n'aura pas compris ou qui ne maîtrise pas le CQRS par exemple, il peut pas tricher. Il ne fera pas son développement de la bonne manière. Donc tu es obligé de forcer les gens à lire les ADR, mais c'est pas parce qu'ils les ont lus qu'ils les ont comprises. Et donc après, s'ils les ont pas comprises, bah, faut le détecter et faire en sorte d'accompagner la personne pour qu'il arrive à comprendre le schéma qu'il y a derrière. Ok, donc tu imposes. Il faut l'imposer, oui. D'accord. On a, je pense, le temps pour 2 questions. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question. Du coup, vous avez parlé d'un suivi avec les premiers clients pour passer du coup d'un produit viable à un produit vendable. Est-ce que vous avez des méthodologies ou des outils qui vous permettent justement de récupérer ces avis, de pouvoir jauger ces avis clients et de pouvoir les jauger et les présenter aux équipes ensuite? Être proche du client, c'est bien. Là, on avait un projet, enfin, souvent des projets e-commerce qui étaient accolés au projet de connecteur. Donc les clients, on les avait plusieurs fois par semaine, donc ça aidait. Après, si c'est sans un projet qui est rattaché, je pense que ça peut être plus difficile. Il faut se mettre une méthodologie et imposer des réunions hebdomadaires au moins pour savoir où en est le projet, si le client est satisfait, si ça avance bien comme ils veulent. Bonjour, merci pour le talk. J'avais une question par rapport aux ADR. Du coup, est-ce que vous les versionnez directement avec le code ou vous avez une sorte de wiki où vous rangez les ADR? C'est dans le dépôt Git. Et une des règles qu'on s'impose, c'est de dire une ADR, une fois qu'elle est rédigée, on ne peut plus la modifier. Si on veut modifier, revoir l'ADR, on crée une autre ADR qui remplace l'ADR d'origine. Mais c'est dans Git. D'accord. Est-ce que vous imposez aussi des reviews sur les ADR? Oui, oui, il y a un code review qui se fait sur l'ADR. L'ADR, c'est souvent le résultat d'une réunion qu'on a fait en amont, où on se met d'accord ensemble. Et bon, des fois, la rédaction de l'ADR prend plus de temps que juste des notes de réunion. Mais à la fin, tu as une PR qui est faite avec une review. Et peut-être des fois des corrections parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur ce qu'on s'est dit. Okay. Juste un petit complément. Et du coup, j'imagine que c'est un seul projet, grand projet. Si par exemple vous avez plusieurs services, plusieurs repos Git, est-ce que vous avez un mécanisme pour mutualiser les ADR qui concernent les mêmes choix techniques par exemple? Ou bien vous juste dupliquez les ADR dans les repos On a un seul dépôt qui contient les ADR. On n'a pas réparti ça sur plusieurs dépôts. Du coup, on va s'arrêter là. Merci Grégory.